fuori a cantar con noi bandiera rossa. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa. Les drapeaux rouges, les résistants. Je suis comme vous. Nous sommes pareils, je suis comme vous. Et vous? Vous, peut-être, vous allez me dire que vous êtes de droite. Allez, moi aussi. Je suis de droite. Parce que moi aussi, comme vous, j'aime l'ordre, la sécurité, le libre-échange des marchandises. Je suis comme vous, nous sommes pareils. Je suis comme vous. Ou peut-être vous allez me dire que vous êtes raciste. Moi aussi je suis raciste. Par exemple, moi je sais très bien dire le mot Ku Klux Klan. Pas mal, hein? Pas tout le monde est capable de le dire. Moi je le dis très bien, Ku Klux Klan. La plupart des gens disent Ku Klux Klan. Et non, désolé, ce n'est pas un plat marocain, hein? Les gens du Ku Klux Klan étaient des gens très bien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils brûlaient les nègres. Et vous savez pourquoi? Parce que le nègre pue. Le nègre pue toujours. Même quand il se lave, il pue. Même quand il est mort, il pue. Ha! Il pue le crâne. La chanson qui suit raconte l'histoire d'une bourgeoise qui s'adresse à une comtesse. Elle parle de leur ami Aldo. Aldo possède une usine dans laquelle les ouvriers sont en grève. Alors ils sont en grève parce qu'ils disent qu'ils sont exploités et ils veulent une augmentation. Après quoi la police débarque, ça part à la baston. Il y a du sang partout dans l'usine, ce qui fait dire à la bourgeoise... Il va falloir un temps fou pour te nettoyer. Il y a l'université qui est en grève aussi. Oui, l'histoire se passe en 68. Parce que maintenant, bah, même les fils d'ouvriers veulent devenir médecins. Ce qui fait que l'université est pleine de racailles, de gens qui prônent l'amour libre... Enfin bref... Comtesse, il n'y a plus de morale. Mais cette chanson, c'est aussi le mouvement ouvrier qui répond à la bourgeoisie. Qui lui dit qu'il préfère une guerre à une paix qui arrange toujours les mêmes. Et que le vent de la révolte ne mourra jamais. Guerra va contessa all'industria di Aldo. Han fatto uno sciopero cui quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati. Dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. E mettono la parola, camarada. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema. Poi gente per bene, che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno che al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella centaglia rinchiusa lì dentro di libero amore faccia professione, del resto mi